on filme de partout. Salut à tous. Donc aujourd'hui là je suis venu, on est un petit peu derrière l'Odève. C'était une route que j'avais empruntée sur un road trip. Je l'avais kiffé en fait, hein. Je me suis dit ben allez c'est parti pour parler des chênes. On va venir ici sur cette superbe route que j'appelle la route des éoliennes. Là sur ce plan on comprend pourquoi. Franchement grosse route de ride. Bon on est par contre à deux doigts de l'orage, donc je sais pas trop. Écoutez, on va croiser les doigts. Bruh. Cassez pas les couilles hein. La GoPro elle tient pas. On va pas aller très loin là. Hein. Donc je vous disais, une vidéo sur mes chaînes préférées. Voilà, c'est une vidéo vraiment que je voulais faire parce que j'ai envie de mettre en avant des chaînes qui me plaisent. Alors petite précision sur les chaînes, elles sont pas dans l'ordre. Hein. Je fais pas de classement dans l'ordre que je les donne. Je mets tous les liens dans la description. Je fais pas pareil comme j'ai vu souvent, des classements uniquement des petites chaînes. Inadmissible. En fait, moi là aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager moi ce qui me plaît et pas des chaînes qui mériteraient d'être plus connues, même s'il y en a dans le lot. On va juste s'arrêter voilà, sur mes chaînes qui m'inspirent et qui me parlent et sur lesquelles je suis toujours sûr de passer un bon moment. Vous voyez pourquoi la route des éoliennes quand même? C'est magnifique là. Donc voilà, faut noter que moi je suis un public, je suis bon public, hein, je suis varié, hein, donc on va avoir vraiment de tout hein, dans ma sélection. J'aime les gens qui apportent leur univers. Première chaîne que je veux mettre en avant sera la chaîne Les Rêves de Balou. Voilà, c'est une chaîne d'une qualité, moi, que je trouve incroyable. Des plans au drone superbes, de vraies belles aventures, une qualité dans la colorimétrie et tout. Alors ça, moi, c'est des choses que je suis sensible. Je sais qu'il n'y a pas grand monde, mais ça se voit, c'est du purisme. Et moi, je suis réceptif à ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, du coup, ces plans recherchés au drone, son univers, ses petites musiques qui vont parfaitement coller à ce qu'il présente. Bref, une chaîne pleine de qualité. Je vous laisse avec un extrait. Alors il faut imaginer qu'en juin en plus tous les arbres sont à nouveau en feuilles, donc ça sera fantastique avec beaucoup d'auteurs excellentes. Cherchant les ressources pour monter cette vidéo, je suis tombé sur un passage où il est en interview, il parle lui-même de la chaîne, donc je vais vous mettre l'extrait puisqu'il parlera mieux de sa chaîne que moi. Les rêves de Balou, c'est ça, c'est se déplacer dans une ruine et découvrir quelque chose que les gens n'auraient pas forcément vu de cette manière-là. C'est aller faire une balade moto et se retrouver dans un endroit paradisiaque avec les feuilles orange, rouge et se dire on est les seuls au monde à le voir à ce moment-là et il y a une certaine frustration à ne pas partager ça. Donc les rêves de Balou, c'est la passion de l'image, c'est la passion de découvrir des choses. En tout cas, si tu passes par là, les rêves de Balou continuent, c'est vraiment super. Tu sais que je te suis, je te laisse des commentaires. Moi j'adore, je trouve que ta chaîne elle mériterait être vraiment beaucoup plus connue parce que le travail que tu fais est vraiment incroyable. Et comme je te dis, ne change rien dans ton purisme, dans ta recherche de belles images. Pour moi, c'est vraiment ça ta valeur ajoutée. La deuxième chaîne que je voulais vous parler, ce sera celle de Prexelot. Alors Prexelot, c'est une chaîne que je connaissais pas. C'est Terence hein, qu'on s'est rencontré qui m'en a parlé. Et franchement, coup de cœur, hein. C'est vraiment énorme. C'est une chaîne que j'aurais vraiment aimé connaître avant. Malheureusement, je la connais que maintenant où il fait plus de vidéos. Enfin, il a sorti une vidéo il y a 2 mois, mais depuis plus rien. Et sa dernière remontait à 1 an. Donc Prexelot, si tu passes par là aussi, ben, tu nous manques. J'aurais aimé le connaître plus tôt ben, pour suivre l'aventure et surtout aussi ben, pour m'inspirer de ses montages. Moi, il m'impressionne. Hein. Partant avec une situation de rien, j'ai jamais vu quelqu'un monter aussi bien et autant me faire rire avec que du montage pur et dur. Bref, moi je suis gros fan. Je vous invite vraiment à aller découvrir la chaîne. Je vous laisse avec un extrait. Et à partir de ce moment-là, le micro n'enregistrait plus. La loose. Un micro à pile, pourquoi j'ai acheté ça? Merde! Et du coup, le son, c'est pas ouf. Mais en gros, j'ai fait de la ville. J'ai eu un feu rouge, 2 feux rouges, 3 feux rouges, 4 feux rouges. Ça m'a saoulé. Franchement, c'est incroyable à quel point on se pèle. Eh, je m'attendais pas du tout à ça. Je suis parti en grand soleil. Alors, on va faire un petit changement de gants. Non. Ah non, j'ai pas. Ça va rester au chaud à la maison. Bon, eh bien, on va souffrir en paix alors. Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Ma prochaine chaîne sélectionnée sera la chaîne de PK Bike. C'est un collègue de Montpellier aussi. Ah, je le connais pas malheureusement. Je vais pas le placer parce qu'il est de Montpellier. Je vais le placer vraiment parce que j'adore son contenu. Personnalité avant tout, c'est de la grosse bonne humeur, c'est des sorties avec les copains, et puis c'est vraiment des expressions, enfin il me fait trop rire le frérot. Je vais vous laisser avec un extrait d'une vidéo. Vas-y, moi je fais du off-road, moi, get, wow. Oh, viens, on essaie d'aller sur la colline à gauche, frère.
Je sais pas comment on peut faire, mais viens, on essaie d'aller sur la... Ah, je crois que c'est... Ouais, vas-y, viens, on y va, viens, on y va. Oh, la colline, si on arrive à y aller, frérot. On est neuf. Ouais, comme au Brésil, Brésil. Voilà, donc vous voyez un peu le style, tout ça monté avec des montages super dynamiques. C'est vraiment super ce qu'il fait. Ça plaira pas à tout le monde, hein, comme j'ai dit, on passe des rêves de Balou à PK Bike. Mais pour moi, bah, les styles, ils s'opposent pas. Hein. Je sais pas pourquoi on veut faire des camps à chaque fois. Les chaînes m'apportent différentes émotions, donc il y en a qui vont me faire rêver, il y en a qui vont me faire rider, il y en a qui vont me faire marrer. Et je pense que, voilà, dans mes recherches, j'ai essayé de mettre des choses un petit peu variées, surtout qui me touchent, qui sont bonnes dans leur style, si vous voulez. Moi, je sais que dans mes envies personnelles, on sait jamais si tu passes par là, PK. J'aimerais trop faire un truc avec toi un jour. Bon, bah écoute, la bouteille est lancée à la mer. Sait-on jamais. Mais en tout cas, je serais trop fan, quoi. Voilà, c'était... C'est PK Bike, et c'est carré dans le pince. Sur ce, gros bisous. Et gros bisous, PK. C'est dommage qu'on n'a pas la météo pour vous la faire ressortir comme je voulais. Mais elle est géniale. Et puis alors, attention le ride. Hein. Là, je peux pas avec mes GoPro accrochés de partout. Mais ultra sympa à rider la route. Allez, je passe à la prochaine chaîne en plein virage là. Et la prochaine chaîne, ce sera celle d'Erdos. Bon là, pas trop de surprises, hein. J'en avais déjà parlé à plusieurs reprises dans mes vidéos, j'ai même fait une vidéo réponse. Voilà, Erdos que je suis depuis vraiment longtemps avant GT34. C'était vraiment les chaînes que je suivais à l'époque. Salut les gars. Et Erdos, voilà, m'a montré à travers ces montages que ce que j'avais en tête moi pour faire de la moto, vous voyez ce style là que vous aimez, que je suis en train de développer, ouais c'est possible de faire ça. Regarde, il y arrive. Voilà, on regarde Erdos depuis des années, ça m'a pas mal structuré. Après vous avez vu, je fais pas pareil, donc je suis content, j'ai su me démarquer et j'ai su partir dans mon propre style, donc je suis très content. Voilà, c'est une grosse chaîne, donc je vais pas m'attarder, surtout que beaucoup de monde la connaît. Putain, mais saloperie! Non, ça me l'a fait! Erdos, réparateur! Bonjour! Bonjour, ça va? Si vous avez un problème de clignot, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je le réparerai pour vous. Mais je tenais à la placer puisque c'est mon épisode de mes chaînes favoris et qu'elle en fait partie. Donc Erdos, continue à nous faire plaisir avec tes vidéos. La prochaine chaîne que je vais vous parler, c'est celle d'une motarde. Une motarde qui s'appelle Paloma. Alors les vidéos sont toutes simples, hein. Ça va être des petits trips, des petits vlogs. Mais par contre, j'adore la personnalité de cette motarde. Je trouve que c'est la classe. Paloma, tu passes par là. Voilà, sache-le que tu as une voix ultra classe qui va trop bien pour les motovlogs, mais qui irait trop bien, j'en suis sûr. Coucou les petits moutons. Ah ben voilà, je les fais toujours fuir, hein, c'est ma spécialité. Pardon, je me disais sur Paloma, si tu passes par là, sache que tu as une voix super classe, vraiment change rien. Pour moi, t'es vraiment au top. C'est une vraie petite chaîne coup de cœur. Alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sortent, mais à chaque fois, je sais que voilà, tu nous mets bien, on se régale. Et à chaque sortie, c'est vrai que c'est un plaisir de suivre ces aventures. Allez, je vous laisse avec un extrait sur la chaîne. Montez-y, hein. Oh là, ça se dit pas ça. Montez-y au Puy de Dôme. Montez au sommet du Puy de Dôme, il y a un très bon restaurant là-haut. Et quand le temps est dégagé, vous avez une vue magnifique. Si je ne vomis pas dans mon casque, c'est miraculeux. Je me suis pété la panse au ligne cassée. Enfin, on s'est pété la panse. Le gras, c'est la vie. Ouh, punaise. La frayeur. Ah, ce vent de malade. Ah, ça me déporte vers la droite. Ah. Je ne fais que 60 petits kilos, je ne peux pas retenir ma moto. Allez, on part sur la prochaine chaîne, qui est la chaîne de Pauline Bike. Une autre chaîne d'une motarde, hein, mais complètement différente, cette fois-ci de Paloma. Pauline, mais quel boulot de montage, hein. Je parlais de Prexelot. Dans les gros montages, Pauline en fait vraiment partie aussi. Je trouve c'est incroyable sa manière de monter. Moi qui le fais moi-même, je sais qu'il y a un travail énorme, quoi. Du coup, c'est vrai qu'elle sort pas beaucoup de vidéos. Mais voilà, je pense que tous les deux, on est un peu dans la même idée, c'est de sortir moins mais mieux. Et voilà, dès qu'il y a Pauline qui sort une vidéo, c'est clair que, voilà, je sais qu'on va se régaler. C'est super travaillé, comme je lui ai dit là dans un commentaire récemment sous une vidéo. Voilà, en plus son montage s'adapte super bien avec ses vannes et sa façon de faire ses road trips. Bref, vraiment, dans mes chaînes préférées, hein, sur YouTube, je vous laisse avec un extrait. On continue notre périple à travers les Pays Basques et des routes qui sont pour le moins
dégueulasse, oui. Ah, ça se calme un peu par rapport à ce qu'on a pris tout à l'heure. Ah bon ? Non. Ah bon ? C'est le gars qui tombe au bout de 3 km et oh, il reste 400 bornes. Ah ouais. Mais quelle idée. Mais au moins, je pense que ça fait des souvenirs surtout. Tu vois, tu te dis, je l'ai fait. Je me dis pas que c'était cheveux ça. Non. Ouf. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit non, quand même pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes que je vous montre si ça vous plaît, bien sûr. J'ai pas du tout équipé comme il faut. Je suis parti, il faisait 27. J'arrive, il fait 15 en gants d'été. Je suis en train de me congeler sur place. Mais je vais vous finir la vidéo, ça y a pas de souci. Allez, prochaine chaîne, c'est une toute petite chaîne. C'est une chaîne que j'ai découvert récemment, bah, presque à sa sortie, hein, c'est la chaîne de Barbecute. Alors bah, notre ami Barbecute, du coup, c'est un Alsacien qui roule en Ducati et qui fait comme moi aussi des vidéos un petit peu d'un côté, de l'autre, de ce côté. Et j'adore quoi, super maturité, il parle vraiment très bien des sujets qu'il aborde. En plus on a sympathisé, alors je le mets pas dedans parce qu'on a sympathisé, hein, je vous ai dit, j'essaye vraiment de choisir les chaînes, mes chaînes favorites, mais je suis content d'avoir... sympathiser voilà avec un créateur que j'adore ce qu'il fait. J'espère qu'un jour on aura l'occasion de se croiser, même si on est un petit peu loin. Je vous laisse avec un extrait de sa chaîne. Le premier mot auquel on associe la moto, c'est le danger. Et quand je disais les non-motards aussi, il faut savoir une chose, si vous désirez vous mettre à la moto, faites attention, le premier risque, c'est qu'on vous casse les pieds comme c'est pas permis. Et oui, quand vous allez annoncer à votre entourage que vous voulez faire de la moto, vous allez avoir droit à plein de commentaires. Et comme les autres, je vous invite à aller jeter un coup d'œil si ça vous plaît. Et regardez-moi ces virages, les amis, là, quand même. Allez, la prochaine chaîne, on va trancher encore un peu. Grosse, grosse chaîne, donc je vais pas m'y attarder dessus. Elle est assez connue comme ça, mais moi, j'adore, voilà. C'est comme ça, comme quoi on peut aimer les rêves de Balou et on peut aimer également Toonzy Biker. Toonzy Biker, hein, ça fait des années qu'il est là, donc chaîne de 450 000 abonnés, peut-être. Voilà, pur moment de détente, Toonzy, des grands malades, hein. Les gars, vous êtes des grands malades, hein, je vous le dis, mais ça m'empêche pas de me régaler à regarder ça. Du gros son, des grosses roues arrière, bref, vidage de tête. Allez, je vous laisse avec un extrait de la chaîne. Oui, je fais de la D là. Merci. Oh, je suis pas sur les merdes. Ok, d'accord. Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, tchuss. Prochaine, vas-y. Pour finir sur une dernière chaîne illustrée. Alors j'ai hésité à la mettre celle-là, mais franchement je me suis dit on va la mettre en avant parce qu'il n'y a qu'une seule vidéo. Hein. Mais une vidéo qui a été un coup de cœur. La chaîne s'appelle 1/8ème. C'est un motard du coup qui a fait un gros road trip, 125. Et franchement son montage, son aventure, c'est extraordinaire quoi. Je vous invite vraiment à aller voir, de toute façon je vous laisse un extrait de la chaîne. Je prends un plaisir dingue à rouler, à m'arrêter pour admirer les paysages et les monuments, puis à repartir pour en découvrir d'autres. Tout de suite là, rien d'autre ne compte. Seul, au guidon de ma 125, je suis le roi du monde. Allez, pour terminer, je voulais vous mettre un peu des chaînes en vrac là, dites comme ça. Sans mettre forcément les extraits de la chaîne, mais que je peux que vous conseiller également. Moi, en tout cas, c'est des chaînes que je regarde régulièrement. Un daily observation, vous avez la chaîne de Osman Rider, qui fait des daily observations dans Paris, toujours superposés, etc. Toujours dans des daily observations, et je les adore tous les deux, ça va être Max Chicane. Ils ont une GoPro chacun, en fait, et ils vont mixer ça au montage. Ben, moi, j'aurais dit dès la première vidéo, c'est génial. J'ajouterai la chaîne également de Mes Balades Moto, qui est vraiment top. Julien, qui la tient, fait un excellent boulot sur les road trips. Il a fait également pas mal de reviews sur du matos et tout ça. Bon, voilà, je suis content, j'ai présenté mes chaînes. Un dernier petit mot pour vous. Merci à tous pour votre soutien, ça me fait trop plaisir, vous êtes au top. Franchement, je suis en train de prendre confiance là, hein. Vous me faites des trop bons retours. Hein. Plus je suis moi-même, plus je m'amuse et plus j'essaye de faire ce qui me plaît, plus vous aimez. Donc bah, c'est ultra motivant quoi, parce que tu vois, si c'est que des vidéos qui te plaisent pas trop à faire qui marchent, ce serait un peu chiant quoi. Moi de toute façon ici je fais que des vidéos qui me plaisent. Hein. Voilà, je vais être vraiment fidèle à moi-même. Et plus je fais des vidéos qui me plaisent à moi, et plus elles vous plaisent à vous. Donc bah, c'est super les amis. Hein. Et nous on se fait la transition finale la plus connue du YouTube game. A bientôt tout le monde.